Hello, hello, salut les amis. Ben encore et encore, hein. Toujours là, toujours présent. Cette fois-ci avec le sourire, comme vous savez, on a quitté la Mauritanie. Aujourd'hui, on est posté juste là. Ah, je vais vous raconter l'histoire. C'est trop fort. À tout de suite. Voici arrivé à ce fameux endroit. J'ai pu repérer qu'il y avait un village à peu près à 20 minutes d'ici. Et là, comme on est en pleine brousse, je vais tenter d'arriver au village. Alors du coup, on était garé pas très loin sur la route. Et on a cette amabilité africaine qu'on trouve rarement en Europe, je le dis vraiment. On nous a proposé de venir nous réfugier sous quelques arbres qu'il y a en fait, sur le terrain d'une personne qui n'est pas là et qui est du coup en Europe. Donc on en profite pour pouvoir être à l'ombre ici. Alors là, je suis sur une sorte de terrasse. Voilà. Une belle petite terrasse. Le fourgon est juste derrière. Et regardez derrière moi. Alors là-bas, au fond, vous avez un petit bout du fleuve Sénégal. Et après ça, vous avez l'océan Atlantique. Que demande le peuple? Franchement, mais vraiment rien du tout. Donc je vais aller faire un petit tour tout à l'heure sur la plage pour voir ce que ça donne. Une énorme plage. Et le fourgon est juste derrière. Franchement, que demander de plus? L'amabilité des gens, c'est number one ici. Donc un grand big up à toi, Aziz. Respect. Beaucoup de love à toi surtout parce que c'est très gentil ce que tu fais. Tu ne nous as pas laissé sous le soleil et du coup ben, on a pu trouver ce petit espace à l'ombre. Mais voilà, on n'était même pas à 10 mètres plus loin, mais là du coup on a la plage quoi. Donc voilà, donc on va squatter un petit peu ici avant de redécoller. Donc comme vous le savez déjà, ne changez pas de chaîne, abonnez-vous, partagez l'information toujours et encore. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos et profitez de cette belle vue tous ensemble. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ici, il y a des singes et des chèvres. C'est plutôt cool, je vais vous montrer ça. Bon. Cette fois-ci, je vais pas les louper, ils sont en train de squatter à côté. Voilà, juste à côté du fourgon, ils sont là. Plein de singes. Ah, c'est bon, ils m'ont vu, commence à bouger. C'est qu'ils ont peur. Bon, mon but c'est pas de leur faire peur, juste vous montrer qu'ils sont là, ils sont présents. Et là c'est qu'une infime partie de tout ce qu'ils sont parce qu'il y en a beaucoup. Bon, tout à l'heure j'étais près des cocotiers là-bas, tout au fond. Il y a un village. Du village d'ailleurs, il y a un petit peu de verdure. C'est un peu leur fief là-bas. Ils sont là-bas tranquillement. Sinon,
toujours au même endroit. Et oui, faut en profiter. Là, c'est un peu le moment de vacances parce que, en effet, à force de voyager, de rouler, se reposer à la va-vite, dans des endroits pas trop, pas toujours réfléchis, ben, on prend pas le temps en fait de se reposer réellement. Et là, du coup, j'ai décidé de faire une belle pause, quoi. Là, c'est vraiment prendre le temps et rester à chiller et à reprendre des forces, surtout pour la suite de l'aventure. C'est bon, on y va?